Comment va Olivier? Bah Olivier va bien. Oui? Ouais. Tu t'attendais à arriver jusqu'en finale? Non. Non. Parce que au risque de me répéter, ça fait 5 saisons que je tente ma chance. Oui. Et j'ai été recalé les 4 années. Et Oui. là, je fais toutes les étapes et je vais jusqu'en finale. Donc c'est inespéré, ça. Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux autres années? La confiance. La Oui. confiance, peut-être le choix de chanson aussi, pendant les blinds. Je pense que ça joue beaucoup aussi, mais surtout la confiance. Pourquoi vouloir autant participer à The Voice? Ben, c'était un moyen comme un autre pour essayer de commencer quelque chose dans la musique, parce que j'ai pas. T'as jamais pris de cours de chant, je Jamais, pense. oui. Et pourtant, tu aimes le chant. Oui. Pourquoi ne pas prendre des cours alors? Ben, parce qu'il faut des sous, ça coûte des sous. Oui. Et puis et voilà, je suis dans une famille qui n'est pas musicienne, donc Oui. je suis un peu l'extraterrestre qui sort de nulle part. Donc voilà. Et ta famille est prof quelque part ou parce que c'est des études de régenda que tu fais, non? Que je faisais, Ah, que tu oui, faisais que j'ai et que tu arrêté as abandonné pour? parce que ça ne me plaisait pas plus que ça. Ah, Voilà. oui, je comprends. Donc j'ai Et arrêté. tu veux faire quoi alors? Là, j'aimerais bien m'inscrire dans une école de musique, justement. Ah, on Ouais. y vient quand même. Voilà. Ah. Comment est-ce qu'il est Quentin en tant que coach? J'ai l'impression Ah, qu'il est dur. non. Bah, il est dur quand il faut être dur, mais il est très. Il demande qu'on soit vite, qu'on soit bosseur. Ouais. Il demande que de la rigueur. Et franchement, c'est une manière de bosser qui me convient. Quand tu regardes les autres éditions de The Voice, quand tu vois le parcours des artistes, ton parcours, tu voudrais qu'il soit comment? Tu t'imagines quoi demain ou dans quelques années? Je sais pas m'imaginer, mais j'espère continuer dans la musique. Peut-être avoir le même destin que Alison de Roof ou Loïc Notay. Tu te vois chanter quoi? Je ne sais pas. De tout. Quentin, t'as choisi parce que il aimait ton groove. C'est quoi, avoir du groove? Avoir du groove, ben, je pense que, comme il a dit, c'est être. Je vais reprendre cette expression, c'est être au fond du temps, c'est être bien dans la musique, etc. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence, peut-être, je sais pas. Enfin, il y a aussi les votes qui font la différence. Eh oui, bah ça, on le sait. Voilà. Tu te vois en 2017 à l'Eurovision? Bah en tout cas, si on me le propose, je dirais pas non. Oui. Mais Tu aimes l'Eurovision? ouais, j'aime bien, je regarde chaque année. C'est vrai? Ouais, je regarde chaque Qu'est-ce que année, tu aimes j'aime bien bien. dans l'Eurovision? J'aime bien le fait que ce soit plusieurs pays. Il y a des cultures qui se mélangent et je trouve ça super. Et le fait que ce soit kitsch? Que ce soit kitsch? Oui. Tu trouves pas ça? Tu ne trouves pas l'Eurovision kitsch? Non, Ah c'est non. un concours, moi je trouve ça. Enfin, moi j'aime bien. Il me faut beaucoup pour que je trouve quelque chose de kitsch. Bon, très bien. Eh ben, peut-être qu'on verra Olivier en 2017 à l'Eurovision. On ne sait pas Peut-être. encore dans quel pays c'est, On ne hein. sait pas encore. Bon, merci Olivier. Merci à vous.